celui qui avait été exclu très rapidement pour un tacle intempestif. Et finalement, au bout du compte, bah, il avait un petit peu payé ça. En face, on a une équipe de l'Antwerp. C'est reparti de l'autre côté avec Draxnes et goal ça. Oui, c'est but. Avec cette possibilité, la première de Stulic qui est au bon endroit. Ah, quand il a les ballons dans le rectangle. Et qui se balade là, latéralement. Il y a Balikwisha également qui est là. Ça, c'est une bonne balle pour Regalenkamp. Excellente balle. Il passe devant là-bas. Il peut frapper. Il va frapper et marquer. Magnifique. Comme le pied de Toby, quarterback Alderweireld. Il est oublié par Morioka, il est oublié par Marc et par Knesevich. Draxnes aussi. Pas mal. Ça va revenir. Oh, c'est dévié. Il n'y a pas une main. Ah, illusion d'optique là, c'est dévié complètement cette frappe. Théo Léoni. Il sera aligné demain. En tout cas, il a rencontré Cérim Parlacou avec une interview particulière, évidemment, et toujours intéressante de celui qui est sans doute l'une des révélations du début de saison du Sporting d'Anderlecht. Et en tout cas, il va vers le péno. Il va le donner, alors. Oui. Oui, il va le donner. Je regarde la réaction du banc de l'Antwerp. Des deux côtés. La tribune même se tait. Nous aussi. De nouveau à droite, mais c'est parfaitement frappé. Au bout ça. Oh non, avec la frappe peut-être maintenant des UK. Dévié, ça revient maintenant avec Enikena, boum ! Dedans ! Enikena prend le devant et Matsu est exclu. Ah non, mais là c'est il fallait faire quelque chose là-bas. Ah oui, il le met dehors. Je vous dis que ça laisse terminer de manière bouillantissime. On l'avait bien vu. Bergman qui dit, un peu à l'instar d'Ile Maritra, moi, Ick, what a picture done. Badji, joli. Draxnes, ça passe. Mbeza qui peut aller. Le retour. Oh, il y a une pénalty là. Il n'y a pas un petit pénalty. Si, il le donne. Il le donne. Balikwisha, c'est pas un défenseur, vous l'aviez dit, Philippe, qui devait se sacrifier. Là, il n'a pas un geste, mais est-ce qu'il va pas être cartonné aussi? Parce qu'il partait au but. Hein. D'un côté ou pas, Philippe? Vite, pourquoi pas. Ben non! Ben non! Un bon petit plat du pied. Un terme à une seconde mi-temps absolument fabuleuse. C'est terminé. Oui! C'est le cas! Et Charleroi s'impose, comme il l'a fait la saison dernière à deux reprises. Et le rictus de Felice Mazzu au terme d'une seconde mi-temps, Philippe, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vécu ça.